Zacharie chapitre 12, verset 9. 10, 9 et 10. La Bible dit, en ces jours-là, je me forcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. 11. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part, la famille de Shimei séparément, et les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Amen. Amen. Nous comprenons que les deux passages de la Bible que nous venons de lire parlent de la même chose. Et je vais mettre mon titre, c'est le quatrième mystère. Amen. Amen. Pourquoi le quatrième mystère? C'est dans Monsieur qui le dit. Le mystère, c'est l'Église du Nouveau Testament formant les Juifs et les Gentils. Amen. Amen. Ça, c'est dans Monsieur Keller et Tilbert. Monsieur Keller et Tilbert. Là où le frère Branham énumère le nombre de mystères. On avait parlé du mystère de la translation qui était le troisième mystère. Le premier mystère, c'est le mystère du royaume. Je souhaite le prendre un peu en désordre, mais je vais revenir en arrière. Le premier mystère, c'était le mystère du royaume. Le deuxième mystère, c'était le mystère de l'aveuglement d'Israël. Le troisième mystère, c'est le mystère de la translation. Le quatrième mystère, c'est l'Église du Nouveau Testament formant les Juifs et les Gentils. Le cinquième mystère, c'est l'Église en tant qu'épouse de Christ, ainsi de suite. Si vous descendez en bas, vous allez voir même le mystère du retour de la colonne de fer. Amen. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler du quatrième mystère, qui est l'Église du Nouveau Testament formant les Juifs et les Gentils. Or, dans cette prédication, M. Kévertu parle de 58, c'est là où le frère Madame en parle. Il dit, Monsieur, est-ce le signe de la fin? C'est-à-dire le titre de la prédication, 248, il dit, le quatrième mystère, pardon, c'est celui de l'Église du Nouveau Testament, formant un seul corps, composé à la fois des Juifs et des Gentils. Il donne les Écritures. Il donne Éphésiens 3, 1 à 11. Romains 16, 25 et aussi Éphésiens 6, 19. Dans Apocalypse chapitre 1, vous allez remarquer que la Bible dit que quand il reviendra dans les nuées, il dit que tout est le verra. Amen. Amen. Or, la venue de l'enlèvement, ce n'est pas une venue où tout est le verra. Amen. La venue de tout est le verra, c'est la venue secrète. Amen. Ça se passe dans les âges de l'Église. Laissez-moi effacer un peu un tableau ici. Notre tableau habituel, vous connaissez, non? Amen. Nous avons deux tableaux que nous utilisons souvent. Donc, le premier tableau, c'était celui-ci. Vous connaissez, non? Apocalypse 1 à 3, Église. Et 4 à 19, les Juifs. Et 19 à 22, les Juifs et l'Église. Amen. Amen. Or, on a déjà vu que là où nous sommes,
Apocalypse chapitre 19 était déjà accompli. Et sur la montagne du soleil couchant, c'était la descente de la nuée. Amen. Or, oh, la descente de la nuée, ce n'est pas une descente où tout est révélé. Parce que la nuée, nous avons tous vu, même les incrédules. Et une fois, mes frères Freddy avaient des petites cartes qu'on utilisait pour l'évangélisation. Dans un bus, il montre ça à un scottish. Il lui donne la carte. Le monsieur regarde et dit, oh, that's Jesus. Amen. Dans la nuit, il dit, mais ça c'est Jésus. Et cela, ses yeux ont vu Jésus. Oh, ça ce n'est pas une venue secrète. Amen. Amen. Oh, dans la venue secrète, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Oh, quand les voleurs viennent dans la nuit, les gens dorment. Or, nous savons que la nuit, c'est une nuit prophétique. C'est là où il y avait les chandeliers qui éclairaient pendant la nuit. Amen. Amen. Or, dans la descente de la nuée, c'est le lever du soleil. C'est la nuée qui est descendue. Et puis, il n'y a pas deux ou trois venues de la nuée. Il n'y a qu'une seule venue de la nuée. Et dans cette venue-là, c'est Apocalypse chapitre 1, où on dit que tout est révélé. Même les yeux de ceux qui l'ont percé. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai pris Zacharie chapitre 2. Prenons d'abord Apocalypse chapitre 1. Parce que la descente de la nuée, c'est le retour du livre de la rédemption. Comme je l'avais dit, que le livre de la rédemption ne concernait pas simplement les gentils. Ça concernait l'humanité tout entière. Depuis Adam. Amen. Amen. Parce qu'on est tombé depuis Adam. Apocalypse chapitre 1. La Bible nous dit que. La Bible nous dit au verset 7, hein, voici il vient avec les nuées. Il vient avec. Si on dit que le frère Joseph vient avec le frère Brice, ça dit qu'il y a deux personnes qui arrivent. Donc ici, on parle de quelqu'un qui vient, une personne. Il, pour le personnel, il vient avec qui? Avec les nuées. C'est au pluriel. Ça ne peut être qu'Apocalypse 19. C'est là où Christ revient avec son épouse. Amen. 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 C'est une personne qui vient avec les nuées. Et dans l'attitude qui est Dieu, le frère Madame nous a dit là-bas qui est. Le premier homme que Dieu avait créé, c'était un homme invisible. Il dit, le deuxième homme, il était comme un halo de lumière. Il dit, le troisième homme, il était une nuée blanche. Amen. Et cette nuée-là, c'est ce qui a été en parlant en Dieu. Et Dieu a placé ça dans l'homme. Parce que quand il forma Adam, il souffrait dans ses narines, il devenait une âme vivante. Amen. Dieu a placé une partie de lui-même en Adam. Et quand Adam chuta, c'est cette nuée blanche qui a été retirée. Amen. Et c'est ce que nous appelons le livre de la rédemption. Amen. Dans un terme clair. Amen. Amen. Parce qu'ici, on a dit qu'à la fin du 7e âge, tous les mystères seront révélés. Ici, des lots sont les piles claires. Amen. Amen. On continue la lecture. Et tout est le verra. Même. On parle d'abord, tout est le verra. Il dit même. Ceux qui l'ont percé, qui a percé Jésus? Il a été crucifié là-bas. Nous, les gentils, n'avons pas crucifié Jésus. Ce sont les juifs qui l'ont percé. Amen. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre, pas des nations, pas d'Israël, de la terre. Amen. C'est lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Ça veut dire que quand il descend dans la nuée, c'est une venue qui n'est pas secrète. Alors, la venue secrète, c'est ce que nous appelons la deuxième venue. Vous ne pouvez pas dire la seconde. Parce qu'en français, quand on dit seconde, ça dit que là, c'est la fin. Amen. Et cette venue secrète-là, c'est ce que les gens ont manqué. C'est la venue de 3 ans et demi. La venue, quand il vient pour enlever son épouse, parce qu'il vient
voici, il vient avec les nuées. Ça, ça peut être la troisième venue. Amen. Et c'est la venue où tout est le verra. Maintenant, quand nous ne connaissons pas les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, on ne connaîtra jamais notre message. Voilà pourquoi le frère Branham, c'était un messager compliqué. Le frère Branham lui-même, c'est un sot. Avant de comprendre les messages, il faut d'abord comprendre les messagers. Parce que le frère Branham a dit que beaucoup de véritables serviteurs manqueront de comprendre ces messages. Or, nous avons amené le pentecôtisme dans les messages. Parce que quand le message est arrivé d'abord au Congo, il faut comprendre que le message était déjà terminé. Amen. Parce qu'au Congo, le message est arrivé vers les années 78. Les sceaux étaient déjà ouverts. Amen. Amen. Un grand retard. Que les frères maintenant avaient déjà terminé. Ça dit que la dispensation avait déjà pris fin. Amen. Maintenant, quand nos anciens ont pris le message avec tout le pentecôtisme qu'ils avaient, ils sont pratiqués avec le message. Amen. Amen. On ne les connaît pas pour ça. Amen. Mais ils doivent savoir que les choses sont en train d'évoluer. Ce n'est pas que la parole évolue, mais nous évoluons par rapport à la lumière de la parole. Amen. Or, quand le message est arrivé au Congo, les sceaux étaient déjà ouverts, les livres de la rédemption étaient déjà sur la terre, les anges de Christ avaient déjà pris fin, l'enlèvement avait déjà eu lieu, tout. Amen. Amen. Vous imaginez qu'à l'époque, dans les messages, les gens viennent, les soeurs venaient avec des mouchoirs à la tête. Parce qu'ils pensaient que c'était le voile. Et Dieu a assisté un bien-aimé, il regarde les étudiants, il dit que non, ce n'est pas des mouchoirs à la tête, c'est vos cheveux. C'est votre chevelure qui est le voile. C'était une lumière. Et à cause de ça, le frère a été chassé de l'église. Mais c'était une portion de la vérité. Amen. Mais il a été chassé de l'église et il a été livré au diable à cause de la vérité. Amen. Amen. Petit à petit, ça progressait. Après un moment, un frère, le même nous a amené le fils de l'homme. Amen. Amen. Il nous a parlé du fils de l'homme, c'était comme du boom. Mais c'était déjà quelque chose qui était déjà accompli. Et après quelques temps, il nous amène encore la seconde venue. C'était des choses qui étaient déjà accomplies, toutes ces choses-là. On maintenait dans la seconde venue-là, il y avait des conséquences. Amen. Qui étaient attachées. Ouais. Et nous, quand nous sommes en train de lire la Bible, nous avons compris que ce que nous appelons la seconde venue, c'est une seconde venue pour les Juifs. Ouais. Et pour les gentils, c'est la troisième. Parce que ce n'est pas une venue secrète, c'est une venue où il vient avec les nuées. Or, cela est attaché à Zacharie 12. Amen. Or, Zacharie 12, là, ce n'est pas moi qui l'attache avec la promesse, c'est le prophète lui-même. Nous allons arriver jusque-là, dans les livres des Exodus. Avant ça, nous allons lire dans la Révélation de votre jour et votre message, paragraphe 24. Les femmes de ceci. Maintenant, mon sujet de ce matin, c'est reconnaître votre jour et son message. Nous avons vu, dans la leçon du dimanche passé, nous avons enseigné sur la fête des trompettes. Et je vais attirer votre attention maintenant sur le temps d'Israël, selon l'horloge de Dieu. Or, nous savons qu'Israël a été une nation il y a longtemps, depuis 1946, n'est-ce pas? Ouais. Et lorsque Israël a été proclamé comme une nation, les drapeaux étaient déjà en train de flotter. Et ce drapeau-là, c'est l'étoile de David. Et l'étoile de David, c'est le croisement des deux dispensations. Ce sont deux pyramides, n'est-ce pas? Amen. Nous allons voir la suite, c'est sur le frère Balaam va nous parler de ça. Des fois, Balaam dit ceci. Nous abordons aujourd'hui une leçon de l'école de dimanche. Je veux que vous preniez conscience et que vous reconnaissiez le temps où nous vivons. Le temps est presque écoulé pour nous, comme vous le voyez. Et alors, par là, vous devriez reconnaître avec précision l'heure et le temps et les signes et les messages que vous devez recevoir.
Amen. Amen. Or, nous, aujourd'hui, on n'a pas à recevoir un message des anges de l'Église. Parce que ça a déjà terminé. Or, l'âge de l'Église se termine avec l'enlèvement. Amen. Amen. C'est là où le frère Barnabé, dans le chapitre 4, nous avait parlé ici, qu'on avait vu ici dernièrement. Il nous a montré la photo du trône, nous montrant les êtres vivants qui entouraient le trône. Les mêmes êtres vivants qui étaient dans les âges de l'Église, qui se retrouvaient maintenant au ciel. Après, chapitre 4 est terminé. Notre message, ce n'est plus le message des âges de l'Église. Or, notre message devait être le message de la nuée. Et puis, si vous remarquez bien, le frère Branham, après la descente de la nuée, toutes les prédications qu'il prêchait, il tournait déjà vers la nuée. Qu'il laisse l'attention sur la montagne, la nuée. C'est le lever du soleil, la nuée. Il y a ici plus grand que Salomon, nuée. Toutes les prédications, le frère Branham tournait déjà vers la nuée. Parce que dans Messieurs qui l'avait-il, le frère Branham était en train de prédire l'événement de la nuée qui devait arriver. Et cet événement, le frère Branham pensait qu'il n'allait même pas survivre. Il pensait qu'il allait mourir. Parce que c'était la chose finale. Amen. Amen. L'ouverture des sceaux, c'était la chose finale. Et puis, si vous remarquez que tous les passages que le frère Branham a pris pour signifier le quatrième mystère, ça parlait du mystère Christ. Or, le mystère Christ, c'est la chose qui a été cachée dans la pensée de Dieu. C'est l'arbre de vie qui est Christ qui était dans le jardin d'Eden. On empêcha l'homme d'y manger. Il dit, empêchons l'homme de manger l'arbre de vie parce qu'il va devenir comme nous. Or, au temps de l'affaire maintenant, on devait ôter les chérubins qui barraient le chemin à l'arbre de vie pour que nous puissions encore de nouveau manger l'arbre de vie et recevoir la vie. Et cet arbre de vie-là, c'est le mystère Christ. Or, Paul nous dit que le plus grand mystère parmi les gentils, c'est Christ en vous, l'espérance de la foi. Amen. Et le frère Branham a pris ce passage-là pour nous prêcher Christ et le mystère de Dieu révélé. Et dans Christ et le mystère de Dieu révélé, le frère Branham nous a révélé les trois desseins de Dieu. Et l'un des desseins était de prendre préminence. Et le dernier dessein était de rétablir son royaume dans les cœurs du coin. Amen. Amen. Comme cela a été le cas avec Adam. Nous allons continuer à reconnaître votre jeu sur le message. Le frère Branham continue. Ensuite, nous voyons, avant les sceaux, lesquels tenaient cachés tous les mystères. Amen. Amen. Ce sont les sceaux qui cachaient tous les mystères. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 10 dit que à la voix du septième ange, tous les mystères s'accompliront. Amen. Alors que je ne savais pas ce que j'ai dessiné au tableau. Pour les âges de l'Église, absolument pas. Dieu le sait, c'est simplement par vision que j'avais dessiné cela. Alors que je ne savais pas que Dieu, un an et six mois plus tard, allait confirmer la chose dans les cieux, par la lune, et par le faire passer ça dans les journaux à l'échelle nationale. Je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il y aurait un mystérieux obscurcissement de la lune, ce qui représentait cet âge de l'Odyssée. Vous connaissez, c'est dans le livre des exposés des âges de l'Odyssée. Il y a six phases de la lune, et puis il y avait une phase qui manquait. Frère Branham dit que c'était l'obscurcissement total. Cela voulait simplement dire que l'âge de l'Église de l'Odyssée était terminé. En continuant, le frère Branham a dit aussi qu'il est. Parce qu'il y a eu l'obscurcissement total. Est-ce que les deux membres n'étaient pas déjà entrés? Or, les deux membres devaient entrer comment? Ils devaient entrer simplement en Christ. Et comment on y entre? C'est par le baptême du Saint-Esprit. Point barre. Et quand le dernier membre entre, il n'y a plus de lumière dans l'âge de l'Odyssée, c'est les ténèbres du temps. Ouais. Ce qui caractérisait la lumière dans les âges de l'Église, c'était les enfants de Dieu. Amen. Et quand on enlève tout le monde, c'est les ténèbres. Amen. Aujourd'hui, dans les âges de l'Église, ce n'est que les ténèbres. Ouais. C'est le diable qui est là. Ouais. Amen. Amen. Mais nous allons prendre le premier passage que le frère Branham a pris pour vous parler du quatrième mystère. Éphésiens 3, chapitre 4. Et chapitre 3, verset 4. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'est Paul qui parle. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres
et prophète de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus par l'évangile. Amen. Amen. Ça, c'est le passage que le frère Branham lui-même a pris pour parler du quatrième mystère. Or, ceci devait s'accomplir à la descente de la nuée qui est Apocalypse chapitre 10. Amen. Parce que le frère Branham a, vous savez, le frère Branham, comment est-ce qu'il prêchait? Quand il commence dans le préambule, il parle du frère, ainsi de suite, il prenait un verset biblique. Quand il prenait le verset biblique, c'était la base de toute sa prédication. Donc, tout ce qu'il va développer dans sa prédication, c'est le verset qu'il prend. Et juste en bas là, le frère Branham explique le verset. C'est comme ça que le frère Branham prêche. Après avoir lu les passages bibliques, il se met maintenant à expliquer. Après avoir expliqué, en bas là maintenant, il fait les commentaires et puis il conclut. Or ici là, ce passage a une connexion avec Apocalypse chapitre 10. C'est ce que Paul nous dit. Que ce mystère, parce qu'avant là-bas, il dit que j'ai l'intelligence que j'ai du mystère Christ. Le mystère en question, c'est quoi? Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse. Maintenant, Fabien a dit que Dieu ne traite jamais avec deux peuples. Ici, le frère Branham, Dieu traite avec l'Église. Du 1 au 3. Du 4 au 19, il traitait simplement avec les Juifs. Et ici, là, c'est la grande période de la tribulation. C'est là où le frère Branham dit que les sceaux, les trompettes, toutes ces choses-là se passent pendant le moment de la grande tribulation. Parce que l'épouse est dans la gloire à ce moment-là. Ici, à Apocalypse chapitre 4, l'épouse qui est au ciel, on lui montre les sceaux. Elle voit les trônes, elle voit les êtres vivants, elle voit tout au ciel. Et ici, Dieu traite avec les Juifs. Mais maintenant, quand on arrive au chapitre 19, c'est Christ et l'épouse qui descendent de l'homme. Et les Juifs aussi sont là. Pourquoi? Parce qu'ils devaient, les 144 000 femmes, voilà, il dit qu'ils formaient comment? Ah, les termes de ma échappé. Ils étaient les ennemis du temple. C'est dit. Or, le temple en question, c'est le sixième but de la visitation de Gabriel à Daniel. C'était de prendre les saints des saints. Or, les saints des saints, c'était le temple qui sera utilisé pour les services dans les millénium. Or, prendre les saints des saints, le temple en question, c'est l'épouse. Or, le frère Branham dit que, remarquez que c'est Daniel qui reçoit le sixième but. Or, Daniel était juif. Mais on lui donne le sixième but qui a une connexion avec les gentils. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à Apocalypse chapitre 19, entre 19 et 22, là où la nuée descend, où l'Église, Christ lui-même qui vient dédicacer les temples. C'est ça qu'on avait montré ici. Le tableau de Daniel. On avait 5 ans. Ok. On avait 7 semaines ici. Qui faisait 7 sabbats, 7 fois 7, ça nous a donné 49, n'est-ce pas? Et puis ici, on avait 62 semaines. Qui nous a donné 434. Et tout ici, ça nous a donné 69 semaines. Okay. Jusqu'au prince Messie. Et le prince Messie a consommé 3 ans et demi. Okay. Et c'était les âges de l'Église. Ok. Après les âges de l'Église, il restait encore 3 ans et demi. Et puis, c'est la fin. Or, le frère Branham dit que le sixième but, c'est la dernière chose qui devait arriver. Or, les âges de l'Église ici, Daniel ne le voit pas. C'est là où le message était retranché.
Il a choisi un peuple parmi les nations qui porta son nom. Amen. Et lorsque le Messie n'est pas visible ici pour l'année, Daniel voit directement la dernière semaine. Voilà la chose qui avait inquiété Daniel. Il dit, oh, qu'est-ce qui arrivera aux Juifs? Parce qu'il ne reste qu'une seule semaine. Et jusqu'au prince de ces trois ennemis consommés. Et les six buts de la visitation d'Abel Daniel devaient s'accomplir là, à la fin. Là maintenant, ici là, on avait dit que c'était la grande période de la fête de Pentecôte. Ok. Qui comprend aussi cette parole? Cette fois, 7:49. L'église est gentille. À la fin de la construction de l'église est gentille, ça devait être aussi dédicacé. Et le sixième but que toi, madame, nous a donné quoi? Deutéronome chapitre 5. Et nous allons voir Ézéchiel 43, où Ézéchiel a dit qu'il a vu la gloire du Seigneur remplir le temple. Or, quand cela arrive, c'est à la fin. C'est la nuée qui est la dédicace du temple qui est érigé pour le millénaire. Or, quand nous arrivons ici à la fin, avant ça, il faut qu'il y ait d'abord l'enlèvement. C'est ce que le frère nous a montré dans ce schéma-là. Et dans la fête des trompettes, le frère a dit que l'épouse est enlevée dans le septième saut. L'épouse quitte l'église pour être enlevée dans le septième saut. Or, le septième saut, c'est la nuée. Elle quitte ici pour aller dans la nuée. Et au chapitre 19, elle redescend. C'est elle qui est l'onction dans les temples. Amen. Et le temple en question, c'est l'épouse. Et quand on arrive ici, c'est Apocalypse chapitre 10, qui est égal à Apocalypse chapitre 1. Voilà pourquoi il dit que même ceux-là qui ont percé les verrons, ce sont les Juifs qui vont voir Christ. Mais c'est le type de Joseph, pas l'Israël. C'est en Égypte. Amen. Amen. Beaucoup de gens pensent que le frère ne devait pas aller là-bas parce qu'il était un Juif. Non, parce qu'il allait briser le type de Joseph. Le frère nous a dit qu'ils sont en route en train de venir déjà. Le seul